Bonsoir à tous. Bonsoir, cher public. Nous sommes à la finale de la 62e édition du concours Mimoun. Bonsoir à vous également qui nous regardez, qui nous écoutez sur vos écrans de télévision et également sur vos postes de radio. Nous sommes à la salle FITEB, ex-cinéma Vogue, sur l'avenue Stenmez. Et l'ORTB, fête avec les enfants, les jeunes amis de Mimoun, encore cette année. Gilles Otilo Yakubu est avec moi pour l'animation encore de cette édition. Bonsoir, Gilles Otilo. Et c'est reparti. Allez. Nous allons installer les 12 heureux finalistes de cette année. Vous savez, le moment le plus attendu, le moment le plus grand, c'est bien celui-ci, celui de la finale. Et c'est toujours avec nos 12 finalistes que nous allons maintenant vous présenter, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements, nous allons les installer. Gilles Otilo Yakubu. On va installer, mesdames, messieurs, nos 12 finalistes. Il faut avouer qu'ils sont venus de plusieurs horizons. Ils sont venus de divers départements et ils ont pu décrocher leur poste pour l'une des chaises ce soir de la grande finale du concours Mimoun. Merci de les applaudir très très fort, mesdames, messieurs. Voilà, ceci dit. Ah oui. Et toujours dans la joie, toujours avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons appeler le premier, notre premier finaliste. Mesdames, messieurs, il viendra de façon majestueuse pour s'installer. Il a 10 ans. Il est en classe de CM2 à l'école primaire SOS. Herman Minor. Il nous vient d'Abomey-Calavi. On applaudit Godwill Cedro Adonis Yaho. Le deuxième finaliste de ce soir nous vient du département de l'Ouémé, plus précisément de Porto-Nouveau. Il a 9 ans. Il est au CM2. Maouillon Bernadette Prudencio Demenou. Merci. Notre troisième finaliste, c'est un représentant de Boycon. De Boycon, du département du Zou. Il nous vient de l'école primaire privée Jean-Jacques Rousseau. Il est en classe de CM2. Il a 9 ans. Sous vos applaudissements, Junior Sylvanus Mauna Dosa. Merci de les ovationner très très fort. Finaliste numéro 4 ce soir. Le département du Mono est représenté. Il a 9 ans. Il est au CM2. Il vient de Comin. Mister Fred Didioko Oriomi Loco. On l'applaudit. Mister. Cinquième finaliste. Lui, il nous vient de Nati Tengu, donc de l'Atakora. Il est en classe de CM2, il a 10 ans. Il nous vient de l'école bilingue catholique Holy Family. Son nom, sous vos applaudissements, Wende Barika Mardoché Prosper Yokosi. Et le Zou à nouveau représenté par ce sixième finaliste qui nous vient de l'école primaire privée catholique Saint-Augustin de Boycon. Il est au CM2, il a 10 ans, il s'appelle Doudeji Israël, Gilles Christ à Tontou. On l'applaudit. Et on continue avec
notre septième finaliste. Il nous vient encore de Luemé, de Porto Novo plus précisément. Il nous vient de l'école Notre-Dame Saint-Joseph. Il a 9 ans, il est en classe de CM2. Son nom, Kofi Laudate Teddy Melzino Kicho Hadji. Sous vos applaudissements. Finaliste numéro 8. École primaire catholique Monseigneur Patient Redois 1. Nous sommes à Djougou, dans la Donga, on précise. Il a 10 ans, il est au CM2. Il s'appelle Sedami Messi Damasé. Neuvième finaliste, toujours sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Il nous vient de l'Atlantique, plus précisément d'Abomey-Calavi. Bien sûr. Complet scolaire Orchidée, 9 ans en classe de CM2. Merci d'applaudir. Koussemou Benanfa Daryl Spencer Cedro. Et l'Atlantique est encore représenté, toujours à Abomey-Calavi pour ce 10e finaliste, mesdames, messieurs. Il est au CM2, il a 9 ans. Il vient du complexe scolaire La Rosière. On l'appelle Tohami Semede Adoko. C'est une fille et la seule parmi les 12 de ce soir. Ça s'applaudit encore plus. Quand même. Et on continue avec notre 11e finaliste. Qui nous vient du littoral à présent. Qui nous vient du littoral. Complet scolaire Archimède. Il a 10 ans, il est en classe de CM2. Son nom, Diano Ben Tayezinsu Kenjinu, s'il vous plaît. Diano. Très sportif, hein, avouez-le. Mesdames, messieurs, fidèles amis, téléspectateurs, nous avons pour la phase finale du concours Mimoun aujourd'hui 12 finalistes. Voici le 12e. Il a 10 ans. Il est au CM2. Il vient du complexe scolaire Sainte-Famille. C'est à Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Je voudrais une salve d'ovation pour Maouillon Linel Childric. C'est de l'eau. Et voilà nos 12 finalistes de la 62e édition du concours Mimoun sont installés. Est-ce qu'on peut encore se mettre debout, s'il vous plaît? Parce que c'est la fête. Et toujours soutenu par ce générique, on va les applaudir. Allez, on va danser pour eux, s'il vous plaît. Les enfants, mettez-vous debout. Debout. Et tapez des mains. Voilà. Tout le monde, tout le monde. Allez, c'est la fête. Merci, 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 merci. Gilles Odilon, merci à notre orchestre. Le super ODV de l'ORTB. Merci à chacun de vous. Merci d'être là. Merci de vous ovationner. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la grande finale du concours Mimoun. Et parlons de statistiques et pour rappeler un tout petit peu le processus qui a conduit ces 12 finalistes ici ce soir, oui. Il faut avouer, ils étaient au départ 592. 592 au départ, est-ce que ça ne s'applaudit pas? 592 au départ. Et donc, nous avons eu les présélections départementales. Et c'est grâce, il faut l'avouer, à la direction des enseignements catholiques que nous avons pu organiser et ces présélections départementales, mesdames, messieurs. Nous voulons que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. La direction nationale de l'enseignement catholique du Bénin. Merci également aux directeurs d'école. Bien sûr. Hein, où les qui enfants... ont participé, à tous ces directeurs d'école qui ont participé pour que nous puissions faire de façon... concomitante dans les 12 départements du Bénin
11 départements, avouons-le, pour cette édition, la présélection du concours Mimoun. Alors, 592 au départ, ils étaient 40. Et il y a quelques jours seulement, ils ont composé. Ils ont composé pour la pré-finale. Ils étaient 40 et il y avait 16 filles et 24 garçons. Mais nous verrons tout à l'heure, n'est-ce pas, Gilles Ozilon, Yakubo qui partira avec le vélo tout-terrain, le cadeau symbole du concours Mimoun. Et pour en arriver là, Gilles Ozilon, Yakubo, nous avons besoin d'un jury. Nous avons besoin d'un jury et sur le concours Mimoun, nous installons avant tout propos notre jury. On va le faire de cette façon. Merci d'applaudir déjà très très fort pour ces hommes et femmes qui composent le jury de la 62e édition du concours Mimoun. Mesdames, Messieurs. Ils sont cinq. Ils sont cinq. Ils sont juste assis là. Et à leur tête, je dirais, à la présidence du jury, nous retrouvons le coordonnateur du comité d'organisation du jeu concours Mimoun, le directeur de la radiodiffusion nationale, notre directeur. Monsieur Ogushina Koundé, merci beaucoup. Monsieur Ogushina Koundé, s'il vous plaît. Et autour du président, nous avons Jacques Arbi Akerekoro. Merci de l'applaudir aussi. Qui est le chef de Atlantique FM de l'ORTB. Nous avons Madame Bertie Kessou. Merci de l'ovationner. Madame Kessou qui nous vient de la télévision BB24, chef du service de l'information. Bien entendu, nous avons Monsieur Denis Tessera. Qu'on applaudit également, qui est le chef de la radio Bénin à Lafia. Désormais, Radio Bénin à Lafia, cette radio de... Radio Bénin à Lafia. Et enfin, autre dame, toujours Madame dans le jury. Madame Corinne Diogo Ressou. Merci de l'applaudir. Chef centre de la basse fréquence, on dit chez nous BF, c'est exactement. Ça. Exactement. Hein? Chef centre BF2. BF2. On l'applaudit encore, on applaudit tous les membres du jury. C'est grâce à eux tout à l'heure que nous saurons qui de nos 12 finalistes partira avec le vélo symbole, le vélo tout terrain. Et je voudrais, Gilles Ozilon Yakubu, saluer la présence dans cette salle du directeur général de l'ORTB, du secrétaire général, ils sont là. Nous avons la directrice adjointe du cabinet de notre ministère, le ministère de l'économie numérique et de la communication, qui est là aussi, assise juste à côté du directeur général. Nous saluons les représentantes de la fondation Claudine Talon. Merci d'applaudir. On les applaudit pour eux. La fondation qui nous soutient encore cette année. La fondation Claudine Talon qui nous soutient et qui nous accompagne cette année une fois encore. Merci à vous. Mémé Claudine Talon qui aime beaucoup les enfants et qui est à nos côtés. On lui dit merci. On remercie également le directeur général de l'imprimerie. Minute Dimension. Merci de l'applaudir. Qui accompagne la finale du concours également cette année. On remercie tous les autres sponsors. Nous avons FIFA de Sainte-Luce, nous avons ATC Bico, nous avons beaucoup de sponsors. Et on dit merci à chacun de vous qui êtes là. Merci de toujours soutenir le concours Mimoun. Merci de vous applaudir. Et nous allons démarrer tout à l'heure avec le concours, mais il nous faut les questions. Il faut les questions et les questions se trouvent dans les mains de qui ? Du président du jury, Gilles Ozilon Yakubu. Merci de l'applaudir. On va l'inviter pour la remise du questionnaire. Le président du jury, Monsieur Ogushina Koundé. Voilà la remise officielle. Merci. Est-ce qu'on Voici peut applaudir les questions de la grande finale du concours Mimoun, voilà. Mesdames, Messieurs. Gilles Ozilon Yakubu. En attendant que nos jeunes amis prennent leur ardoise, leur chiffon et leur craie, pourquoi ne pas inviter ici le chœur. Les petits anges de l'ORTB. De l'ORTB. Les enfants du personnel de l'ORTB. Le chœur angélique, s'il vous plaît. Merci. Thank you.
D'amour un peu plus fort, s'il vous plaît. Ben voilà, j'aime mon pays, j'aime le Bénin. C'est tout simplement beau. Et venant des enfants, c'est encore plus beau. Eh bien, les enfants, nous allons commencer. Vous savez bien comment cela se passe. Nous avons 10 questions au total. D'accord. On va commencer avec 5 questions. On aura une petite pause. On va continuer ensuite avec 5 autres questions. Et la dernière épreuve, c'est l'épreuve en vitesse. Vous aurez 30 secondes, membre du comité, vous confirmez. Vous aurez 30 secondes pour écrire sur vos ardoises. Et quand je dirai top, vous montrerez vos ardoises. D'accord. Et on va voir si vous avez les bonnes réponses à mes questions. Bien. Première question. Le concours auquel vous prenez part a été initié par Papa André Mimoun. D'accord? Maintenant, la question, je vous la pose. Écoutez bien la question, s'il vous plaît. Quelle est la nationalité de André Mimoun? Je reprends pour vous la question. Quelle est la nationalité de André Mimoun? Top! Vous pouvez écrire. Nous sommes à la 62e édition du concours Mimoun. Nous voulons la nationalité de Papa André Mimoun. Juste la nationalité. Top! Les ardoises. Les ardoises. Alors, la bonne réponse, vous connaissez la nationalité de Papa André Mimoun. Il est de nationalité française. C'est cela. Il est français. Nous ferons le tour des ardoises. God will, André Mimoun est un SD. Non. Enfin, membre du jury, je lis pour vous les ardoises. Prudencio, français. Junior, rien sur son ardoise. Mystère, française. Winde, français. Israël, béninoise. Laudate, française. Merci, Amérique. Daryl, nationalité française. Tohami, française. C'est bon? On continue avec Diano. Française. Et enfin, Linel, France. Il nous vient de la France. Nous passons à la deuxième question.
voici pour vous maintenant une question d'orthographe. Vous étiez au total 592, écoutez bien, 592 candidats cette année à avoir pris part aux différentes présélections départementales du concours Mimoun. Vous allez m'écrire à présent sur vos ardoises et en toutes lettres, on attend le top. Vous écrivez en toutes lettres sur vos ardoises le nombre 592. Top! 592 sur vos ardoises parce que vous étiez 592 à la présélection. Vous étiez 592. Aujourd'hui, vous n'êtes que 12. Comment vous écririez 592 en toutes lettres? Top vos ardoises, s'il vous plaît. Les ardoises, God will. Alors, la bonne réponse, c'est 500 sans S, 92, 92, mais avec des tirets entre ces différents chiffres. C'est bon? On fait le tour des ardoises, membres du jury. God will. 500 sans S, 92, 92. Il manque des tirets, mais vous jugerez. Prudencio, c'est bon? On continue. Prudencio, 500 sans S également, 92. Il n'y a pas de tiret, mais c'est bien écrit. Junior, 580, il a mis un S à 20. 592, il a mis S à 20. C'est bon? Je continue avec mystère. 5-100 sans S, 4-12. Je lis ce qu'il y a sur les ardoises, membre du jury. 4-12. On continue avec Windé. Levez bien vos ardoises. 5-100 sans S, 4-20-12. Voilà pour Windé. Israël à présent. 500 sans S, 4-20-12. 592. On continue avec Laudate. 500 sans S, 92. Il faut les encourager. On continue avec Merci. 500 sans S, 92 avec les tirets. On continue. Daryl. 500 avec S. Malheureusement, 80. Non. Merci, Daryl. On continue avec Tohami. 5-100 sans S. 4-20-12. Merci. Diano, membre du jury, Diano, 500 sans S, 4-20-12. Et enfin, Linel Saint. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de la réponse. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci. On passe à la troisième question. On écoute attentivement. Notre concours se poursuit donc avec une question qui concerne la première chanson du Bénin et c'est l'hymne national. On écoute bien. Comme vous le savez, petits amis, notre hymne national a pour titre Aube Nouvelle. D'accord? Alors, dans le premier couplet et vers la fin, on nous dit ceci, je vous prie, de ne surtout pas chanter avec moi. Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. Pou, je veux la suite de la phrase. Pou, vous avez compris? Top la réponse sur vos ardoises. Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. On veut la suite. Pou, top.
qu'on peut chanter maintenant ensemble? 1, 2, 3. Plus fort, t'es chaque jour à la tâche pour la postérité. C'est sans relâche. Merci de vous applaudir. Donc la réponse, c'est bien pour la postérité. P-O-S-T-E-R-I-T-E. C'est bon? On fait le tour des ardoises. God will, pour la postérité. Prudencio, pour la postérité, construisez. On continue avec Junior, la postérité. La postérité. Mystère, pour la liberté. Bon, c'est vrai qu'on est libre, hein? Jury, vous verrez bien. Alors, Windé, n'effacez pas encore vos ardoises, s'il vous plaît. Montrez toujours vos ardoises. Windé, pour la postérité, construisez sans relâche. On continue. Israël, pour la postérité. Non. Laudate, postérité, construisez sans relâche. Merci. Pour la postérité, non. Daryl, pour la postérité. Torami, la postérité. Diano, pour la postérité. Et enfin, Linel, la propérité. Non. Et on passe à la quatrième question. Chers finalistes, vous avez tous reçu, lors des présélections départementales, le magazine des 60 ans du concours Mimoun. Vous l'avez tous reçu, d'accord? C'est vrai que cette année, nous en sommes à la 62e édition. Entre autres informations très intéressantes qui vous ont été communiquées dans le magazine, il vous a été rappelé la date exacte à laquelle moi qui suis devant vous, Hermina Konan, d'accord, désormais l'animatrice du jeu, j'ai pris la succession de tonton Moufliadi sur ce podium. Alors la question, je vous la pose maintenant. Rappelez-moi la date exacte à laquelle, on n'écrit pas encore, la date exacte à laquelle je suis montée pour la toute première fois sur le podium pour commencer à animer le concours Mimoun. La date précise à laquelle Hermina Konan, on attend, Hermina Konan est montée sur le podium du concours Mimoun pour l'animer. Top, c'est parti. Ça, c'est quand même aller chercher un peu loin. Hein. Je ne sais pas si les enfants ont pu lire tout le contenu du magazine, mais bon. Date exacte. Top, les ardoises. Ça, c'est on connaît ou on ne connaît pas. Hein? Est-ce que les parents connaissent? Moi-même, je ne sais même plus, mais bon. 22 décembre 2007. Ça fait 11 ans maintenant que l'aventure dure. 22 décembre 2007, on fait le tour des ardoises. God will, 23 décembre. Non, Prudencio, 23 décembre 2007, c'est le 22 décembre, enfin, Junior, en décembre 2007, Mystère, en 2009, Windé, 2007, Israël, en 2007, on continue, Laudate, 2003, Messi, en 1996. Non. Daryl n'a rien écrit sur son ardoise. On continue, membre du jury, Torami. 22 décembre 2007. On continue, bravo. Diano, 2018-2007. Inel, en 2007. C'est bon? Membre du jury, on a fait le tour des ardoises, on peut continuer. Vous effacez vos ardoises. On continue avec la cinquième question. À présent, une question de sport. Puisque
J'espère que vous aimez bien le sport. On va du côté de l'athlétisme, d'accord? On parle d'athlétisme. Au cours d'une course de relais, nous avons généralement 4 coureurs qui se passent un petit bâton. D'accord? 4 coureurs. Le premier coureur passe ce petit bâton au deuxième, qui lui le passe au troisième, et le troisième au quatrième coureur. D'accord? La question est celle-ci. Comment appelle-t-on ce petit bâton que les coureurs se passent entre eux? Le petit bâton que les coureurs se passent entre eux. Nous sommes dans l'athlétisme. Top! On y va. Ils courent et ils se passent le petit bâton à tour de rôle. Comment on appelle ce petit bâton? Tout petit bâton. Ou bien, enfin, c'est petit, hein, comme bâton. J'espère que vous aimez l'athlétisme, j'espère que vous aimez le sport et que vous aurez tous la bonne réponse à cette question. C'est bon? Les ardoises, s'il vous plaît, les enfants. Bon. Le public, vous connaissez la bonne réponse. Comment? Oui, c'est le témoin. On se passe. Le témoin. On se passe le témoin. God will le. Membre du jury. God will le. Prudencio, le relais. Voilà. Junior, le bâton est le. Non. Mister, bâtonnet. Non. Windé, rien sur son ardoise. Israël, athlète. Non. Laudate, le bâton. Non. Messi. Bâton de course. Daryl, le bâton de course. Torami, le témoin. Torami, le témoin. Diano, témoin. On l'applaudit aussi. Linel, rien sur son ardoise. On les applaudit. Il mérite bien une petite pause à présent, Gilo Dilon Yakoubou, nos enfants. Je pense qu'il mérite une pause et il mérite également des ovations, mesdames, messieurs. Merci de les applaudir, nos finalistes. Déjà 5 questions, on va faire la courte pause en musique avec une jeune talent de la musique béninoise. Elle vient ici chanter pour nous l'histoire de sa vie aux côtés de la Vierge Marie, la vie qu'elle souhaite, une très belle chanson intitulée Maria, elle-même s'appelle Nikita. Merci d'applaudir Nikita, la Miss Tinguette. Nikita, s'il vous plaît, merci de l'applaudir. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des questions. Musique. Maria, Maria,
Est-ce qu'on peut l'ovationner encore, s'il vous plaît? Et on continue sans plus attendre avec notre concours. Les 5 autres questions. Les enfants, vous êtes prêts? On peut continuer? On continue. Bon, 6e question. On y va. Je vous donne une phrase. La phrase est celle-ci. Écoutez bien. Une sauce qui cuit dégage un bon fumé. Un bon fumé. Une sauce qui cuit dégage un bon fumé. D'accord? Tonton Mouf, c'est bien cela. Hein? On me demande de vous dicter la phrase, les mots. Écoutez bien. Une, U-N-E, sauce, S-A-U-C-E. D'accord? Une sauce, n'écrivez pas. Qui cuit? Cuit. D'accord? Cuit. C-U-I-T, c'est bien ça. Qui cuit dégage, vous comprenez bien, un bon fumé. D'accord? Un bon fumé. Je veux que vous conjuguiez cette phrase à l'imparfait de l'indicatif. À l'imparfait de l'indicatif. Top, c'est parti. Une sauce qui cuit dégage un bon fumé. C'est-à-dire que ça sent bon, c'est ça, hein? Ça sent tellement bon qu'on a envie de manger. Ça donne de l'appétit. On veut manger. Alors, une sauce qui cuit dégage un bon fumé. D'accord? Je veux cette phrase à l'imparfait de l'indicatif. À l'imparfait de l'indicatif. Une sauce qui cuit dégage un bon fumé. Je vois que certains enfants ont fini. 30 secondes, ça passe vite. On leur laisse un peu le temps, hein, parce que c'est quand même une phrase. Hein? Hein, s'il vous plaît. L'imprimerie Minute Dimension, merci d'être avec nous. Le ministère nous soutient. La directrice adjointe de cabinet est là. Et les autorités de l'ORTB. Top, les ardoises. Alors, à l'imparfait, notre phrase, elle nous donne quoi? Public, une sauce qui... Qui cuisait, C-U-I-S-A-I-T, dégageait, D-E-G-A-G-E-A-I-T, un bon fumé, F-U-M-E-T. Hein, c'est pas comme la fumée à son aigu E muet. Hein, c'est ça les enfants. Donc il y avait 2 verbes, hein, cuire, et puis dégager. Cuisait, dégager. Membres du jury ont fait le tour des ardoises. Godwill, une sauce qui cuit, dégageait, bien, D-E-G-A-G-E-A-I-T, dégageait un bon fumé. C'est E-T, mais il a mis E accent aigu. Les verbes, il a mis cuit et dégageait. On continue, membres du jury. Prudencio, une sauce qui cuissait,
il est qui cuissait, deux S, membre du jury, dégageait, bonne écriture, bonne orthographe, dégageait un bon fumé et à son aigu. Junior, une sauce qui cuissait, il a mis deux S également, A-I-T, dégageait, bonne écriture, E-A-I-T, une bonne fumée. Non, j'ai dit un bon fumé. On continue, membre du jury, mystère, un sauce, j'ai dit une sauce, et je l'ai dit plusieurs fois, mystère. Une sauce qui cuit, une sauce qui cuisait, A-I. Il a dit qu'il a imité. Tu as mis quoi? T. Bien entendu que ce serait T maintenant. Membre du jury, qui cuisait? Je vous laisse décider. S-A-I-T. Dégageait. E-A-I-T. Bonne écriture. Une bonne fumée. Un bon fumé. F-U-M-E-T. Les enfants, c'est retenu une fois pour de bon. Winné. Une sauce qui cuisait. Deux S. Dégageait. E-A-I-T. Un bon fumé et à son aigu mieux. On continue. Israël. Une sauce qui cuisait. Bonne écriture, S-A-I-T. Dégageait. Bonne écriture, E-A-I-T. Un bon fumé. On continue avec notre ami Laudate. Une sauce qui cuisait. Il nous manque le S, mon chéri. Dégageait. Bonne écriture. On continue. On continue. Merci. Une sauce qui cuisait, S-A-I-T, dégage. Un bon fumé. On continue, membre du jury. Daryl, une sauce qui cuisait, deux S, non. Dégageait, bonne écriture, et a été un bon fumé. On continue, membre du jury, avec Tohami. Une sauce qui cuisait, S-A-I-T, dégageait, dégaguait. Elle a mis, il manque le E. Dégaguait, une bonne fumée. On continue avec Diano. Une sauce qui cuisait, S-A-I-T, dégageait, E-A-I-T, bonne écriture, une bonne fumée. Et Linel, une sauce qui cuit, non, c'est cuisait. Dégageait, E-A-I-S, il a mis E-A-I-S, c'est E-A-I-T, c'est la sauce mise pour elle, d'accord? Il a mis E-A-I-S, un bon fumé. On a fait le tour des ardoises, on efface les ardoises. Une petite question de géographie à présent. On y va les amis? Une petite question de géographie. Vous connaissez bien le Bénin, j'espère en tout cas. Alors dites-moi, dans quel département du Bénin suis-je? Quand je me retrouve à Sakété. Dans quel département suis-je? Quand je me retrouve à Sakété. Top! Écrivez sur vos ardoises la réponse à cette question. Sakété se trouve dans quel département du Bénin? Pour reformuler la question. Sakété se trouve dans quel département du Bénin? On peut y aller. Ça. C'est bon, membre du jury, 30 secondes. On attend 5, 4, 3, 2, 1. Les ardoises, s'il vous plaît. Alors, quand on est à Sakété, on est dans quel département? On est où? Dans le plateau. Dans le plateau. C'est bon? Membre du jury, Godwill, l'Atlantique, Prudencio, plateau, Junior, dans le département de plateau. Mystère, les plateaux, T-A-U-X, Winde, plateau, bonne écriture également. On continue, membre du jury, Israël, au plateau, Laudate, Wembe, bon, c'est pas loin, mais bon, c'est pas le plateau. Merci, Mono, non, Daryl, dans le département du Zou. Non. Toramizu. Non. Diano, plateau. Bravo. Linel, plateau. Bravo. Les ardoises, les amis. Huitième question. Écoutez bien.
Notre Assemblée nationale du Bénin, regroupe des personnalités qu'on appelle les députés. D'accord ? Et comme vous le savez, l'Assemblée nationale siège à Porto Novo. Et elle a à sa tête un président, comme nous avons un président de jury. Nous avons un président de notre Assemblée nationale, que vous connaissez tous, j'espère. Son nom, c'est Monsieur. Merci. On fait un banc pour les autres pré-finalistes. Ils ne sont pas sur le podium, mais ils sont là. Son nom, c'est bien Monsieur Adrien Mbedi. Alors, ma question est celle-ci. Écoutez bien. Si je ne compte pas le président de l'Assemblée nationale, combien de députés il me reste? Si j'enlève le président de l'Assemblée nationale, il me reste combien de députés top? Écrivez sur vos ardoises. Notre Assemblée nationale regroupe des députés. Et à la tête de notre Assemblée nationale, nous avons un président. D'accord? Si je retire le président de l'Assemblée nationale, notre cher monsieur Adrien Mbedi, il va nous rester combien de députés? Combien de députés? Plus personne n'écrit, alors montrez les ardoises. On y va, top, 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 les ardoises. C'est bon? Alors la réponse est combien? On a au total combien de députés? 83 députés au total. Lorsque nous enlevons le président de l'Assemblée nationale, il nous en reste 82. 83 moins 1. La bonne réponse est 82. Godwill, 82 députés. Bravo. Prudencio, 82 députés. Junior, 82 députés. Mister, 82 députés. Windé, 83 députés. Israël, 82 députés. Laudate, 83 députés. Messi, 82 députés. Daril, 82 députés. Torami, 82 députés. Diano, 82 députés. Et enfin, Linel, 82 députés. Bravo. On applaudit tout le monde, s'il vous plaît. Et nous passons à la 9e question. Alors, écoutez bien la question. Contre quelle maladie vaccine-t-on un enfant quand on lui donne le BCG, le bacille, calmette et guérin? Je reprends pour vous. Le BCG, le bacille, calmette et guérin. C'est contre quelle maladie on vaccine un enfant lorsqu'on lui donne ce vaccin-là, le BCG? Contre quelle maladie? Top, c'est parti. Waouh. J'espère que les mamans ont eu l'occasion de partager ces informations-là avec les plus petits. On va seulement les piquer et puis c'est tout, on n'en parle plus. Ben, on verra bien s'ils ont la réponse. Top, les ardoises. La bonne réponse est la... Comment? Alors là, les autres pré-finalistes, on va se calmer maintenant là parce que... La bonne réponse est la tuberculose. La tuberculose. La tuberculose. Godwill, Kwashi encore. Prudencio, la tuberculose, bravo. Junior, la variole. Non. Mister, la variole. Windé, la rougeole. Israël contre la tuberculose. Bonne réponse. Laudate, la poliomyélite. Non. Messi, tuberculose. Daril contre la fièvre jaune. Non. Torami, poliomyélite. Non. Diano, poliomyélite. Linel, le polyamètre, non. Non. Nous passons enfin à la 10e question qui mettra un point final à cette première
étape de notre jeu concours. La télévision nationale du Bénin a démarré ses programmes, écoutez bien, le 30 décembre d'une certaine année. Le 30 décembre prochain, ce qui est sûr, elle aura 40 ans. Elle aura 40 ans le 30 décembre prochain. Je demande à présent, en quelle année la télévision de l'ORTB a-t-elle démarré ses programmes? Top! On écrit à présent. Elle aura 40 ans le 30 décembre prochain. Top les ardoises. La réponse est, elle a démarré ses programmes, comment on saura? On est en quelle année? 2018. C'est cela. Elle aura 40 ans en 2018, là maintenant. Donc, pour connaître l'année à laquelle elle a démarré ses programmes, on fera 2018 moins 40, ce qui nous donne 1978. C'est cela la bonne réponse. 1978, en cette année-là, la télévision nationale a démarré ses programmes. God will, elle aura le 30 décembre prochain, 2018 moins 40 égale 8. Il n'a pas fini. Prudencio, en 1978. Junior, le 30 décembre 1978. Précis, très précis. Mystère, 1978. Windé en 1978. Israël, 1978. Merci de les applaudir. Laudate, 1958. Merci, 1969. C'est bon? Merci, 1969. On continue avec Daryl, 1978. Torami. 1978. Diano, 2018 moins 40. 1978. Linel, 1978. Merci d'ovationner, d'applaudir très très fort. Je ne vous entends pas. Nos 12 finalistes de la 62e édition de notre jeu concours Mimoun. Nous sommes au terme des 10 questions de la première étape de notre jeu concours. Tout à l'heure, ce sera l'épreuve en vitesse. Et généralement, comment cela se passe? Les enfants vont tirer au sort tout à l'heure une enveloppe. Il y en aura trois. Et dans chaque enveloppe, il y a une lettre de notre alphabet. Ils vont tirer une enveloppe et ils trouveront dans cette enveloppe donc une lettre de l'alphabet. Alors, l'exercice consiste à écrire sur leurs ardoises des noms communs ou des verbes commençant par cette lettre de l'alphabet. Il n'y aura pas de nom propre, il n'y aura que des noms communs ou des verbes. Alors, les amis, autant de noms vous écrirez, autant de points vous aurez. Chaque nom vous donne droit à un point. On va inviter le président du jury pour les trois enveloppes, pour nous remettre les trois enveloppes. Il restera d'ailleurs avec nous un volontaire. Tohami qui va choisir une enveloppe. Voilà. Merci. Merci. Je voudrais préciser que c'est pour un total de 10 mots. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place sur les ardoises. Donc limitez-vous à 10, un maximum de 10. Sachant que chaque mot trouvé vous donne droit à deux points. Deux points. Merci. Merci pour cette précision, monsieur le président du jury. Chaque mot trouvé donne droit à deux points. Alors, Torami, vous allez ouvrir. Tu vas ouvrir cette enveloppe. Alors, fais attention, il ne faudrait pas... Voilà. Et tu vas prendre... Voilà, et tu vas... nous lire ce qu'il y a sur le bout de papier. On y va. Vous avez choisi la lettre T. Tous les mots commencent par la lettre T. Des noms communs de choses et des verbes. Pas de nom propre.
Chaque nom, chaque verbe trouvé vous donne droit, les amis, à 2 petits points. Top, c'est parti. On y va. Des noms communs. Des verbes. Commençons par la lettre T. Et le président du jury a insisté. Hein. Il sera surpris tout à l'heure quand il va voir un monsieur des Saint-Oise. Tellement les enfants vont serrer. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, hein, monsieur le président du jury. Mais bon, espérons qu'il n'y en aura pas qui vont dépasser 10 mots. On verra bien. Sinon, on précise que chaque nom trouvé vous donne droit à 2 points. Et pour cette épreuve, président du jury, combien de minutes? 30 secondes quand même. Une minute. Une minute. On leur laisse le temps. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon? Les ardoises, s'il vous plaît, les amis. Une minute, c'est très, très vite passé. On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme cela. Alors, membres du jury, vous êtes prêts? On peut faire le tour des ardoises ensemble? On y va, avec Godwill. Tambour. Trouver. Travailler. Tam-tam. Thème. Taper, tapis. Sept mots bien trouvés. Prudentio, tirer. Un, table. Deux, tiroir. Trois, trottoir. Quatre, tendre. Tomate, six. Pour Prudentio. Junior, tatouer. Un, toi, tatouage. Tatouer, un. Tatouage, deux. Il est intelligent, hein? Voilà. Trouver, trois. Tour, quatre. Tourner, waouh, cinq. Tournevis, six. Attention, mais dis donc. Mais tourner est revenu. On avait déjà un tourné tout à l'heure, hein? Lui, il n'a pas cherché loin. Il est vraiment intelligent. On l'applaudit. Mystère. Terrassé. Waouh, tu es un karatéka, tu fais du judo? Non. Bon, il a écrit terrassé. Je ne sais pas qui veut terrasser, mais président du jury, c'est terrassé quand même. D'accord? Terrain, deux. Thalys. Taillis. 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 Ok, T-A-2-L-I-S. Taï. On continue. Ça lui fait 1, 2, 3. Taï. Tailleur. Oui, tailleur. C'est bon? 4. Et puis taillé. On continue avec Windé. Trier. 1. Tromper. 2. Tuberculose. 3. T. 4. Tirer. 5. Et trouver 6. On passe à Israël. Tôle, tonne, deux, tiroir, trois, tire, tire, quatre, télévision, cinq, table, six. Nous sommes à Laudate. Tintamarre, wow. Tintamarre, tigre, deux, taureau, 3. Tam-tam, 4. On passe à Messi. Tirer, 1. Tarir, 2. Taper, 3. Taper, 4. Et tirage. On continue, membre du jury. Bien. On passe à Daryl. À présent, tourner, 1. Tutoyer, 2. Terrassé, avec un R, terrassé, 3, titubé, 4, terre, 5, terrestre, 6. On passe à Tohami. Tarot, avec O à la fin, tarot. On continue. Tissu, 2, tirelire, 3, tirer. 4, thermal. 5,
Tire, lierre. Je laisse les membres du jury décider. C'est à eux de décider de cela. Voilà ce que je lis sur l'ardoise de Tohami. On passe à Diano. Tirage. Timbre. Tirer. Tâche. 4. Travail. 5. Tête. 6. Tapette. 7. Tapé. 8. Troisième. 9. Tricherie. 10. Tissu. 11. Président du jury. Voilà. On finit avec Linel, membre du jury. Linel. Taper. Travailler. Tricher. Traverser. 4 mots. Nous avons fini avec les épreuves de la finale de la 62e édition du concours Mimoun. Merci d'applaudir encore, encore et encore, s'il vous plaît. Encore plus fort, s'il vous plaît. Applaudissements nourris. Merci. Pour nos 12 candidats, mesdames, messieurs. Ouais. C'était rude, hein, Hermine, il faut avouer. Ah, en tout cas, c'était rude, mais c'était intéressant. Bravo au comité. Merci, Hermine. Le jury va à présent se retirer. Oui, on va inviter. On dit souvent chez nous, se retirer pour délibérer. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. C'est bien cela. On va les inviter sous vos applaudissements à se retirer pour délibérer. Et ils vont se retirer et ils vont nous revenir tout à l'heure avec le classement. On connaîtra le meilleur des meilleurs. Le meilleur des meilleurs. Celui-là ou celle-là qui va partir avec le vélo tout-terrain que vous avez là, fidèles amis, téléspectateurs, auditeurs, vous qui nous regardez ou suivez actuellement, c'est la grande finale du concours Mimoun, la 62e édition. Et nous, nous sommes ici, pendant que le jury se retire, on est ici pour de la prestidigitation. Avant cela, on fait un clin d'œil encore à nos partenaires. Si tu le veux bien, je voudrais qu'on fasse... La Fondation Claudine Talon. Oui, merci beaucoup à la Fondation Claudine Talon. Merci à Imprimerie Minute Dimension. Merci à FIFA de Sainte-Luce qui nous soutient. Merci à TC Beco. Merci au FITEB. Merci à la Direction nationale de l'enseignement catholique. Merci au ministère de l'économie numérique et de la communication. Merci au ministère de la culture, du tourisme et des sports également qui nous soutient et qui nous accompagne. Merci. Donc un tour de magie pour nos amis. Pourquoi pas? Il s'appelle Urbain, c'est un magicien lumière. Merci. Urbain. Et souvent, les magiciens ne se font pas applaudir, hein, il paraît. Ils apparaissent par magie. Bruno, musique. C'est parti. C'est parti.
On a 12 finalistes. Mais comme vous le savez, l'habitude nous permet de féliciter 13 gagnants. Le 13e gagnant ce soir est dans cette salle. C'est ce jeune ami qui a reçu, comme tous ses autres compères, une enveloppe à l'entrée de la salle. Regardez dans vos enveloppes. Qui est-ce qui a eu l'enveloppe où c'est inscrit « Bravo, je suis le 13e gagnant ». Bravo, je suis... Viens ma petite chérie, viens vers moi. Je veux voir, ouvre l'enveloppe. D'accord. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Bravo, vous êtes le 13e gagnant. Félicitations. Oh, merci de l'applaudir. La 13e gagnante donc de cette 72e édition, dis-moi ton nom. Je m'appelle Refondé Clémence Modou Père de l'Or. Oh, et puis tu es en quelle classe? Je suis au CM2. Dans quelle école? Au complexe scolaire La Synergie des Grades de Dassa Zoumé dans les collèges. Merci d'applaudir pour notre 13e gagnant, mesdames, messieurs, que nous allons bien entendu installer confortablement. Il le mérite bien. Je vais inviter pour lui remettre son lot, madame Aïcha Boro-Oro. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît, elle est dans la salle. Madame Aïcha, venez. Venez. Merci à l'hôtesse, faites venir le cadeau du 13e gagnant, s'il vous plaît. Il faut dire, mesdames, messieurs, que madame Aïcha Boro-Oro est la mère du tout premier des 12 finalistes aujourd'hui. Godwill, il est le tout premier en tout cas. Les 12 finalistes, c'est sa mère. Merci de nous aider à remettre le cadeau du 13e gagnant. Le 13e prix est un mini ordinateur pour enfants. Merci d'applaudir, mesdames, messieurs. Et on va l'installer. Et cette année, mesdames, messieurs, nous avons décidé, comme l'année dernière, de faire composer dans une démarche inclusive nos jeunes amis du Centre des handicapés auditifs de Agla. Deux parmi eux ont été retenus et tout à l'heure ils vont être primés. Je voudrais qu'on puisse les applaudir très très fort. Il s'agit de Chancel Awandjinou dans la salle. Merci à leur accompagnateur de les faire venir. Chancel Awandjinou, 13 ans, elle est au CM2, deuxième. Merci de l'applaudir. Et le premier, Roufaï Adenika, 14 ans, CM2. Merci aussi de l'ovationner. Merci de venir. Ce sont les deux premiers des 9 candidats du Centre des handicapés auditifs d'Agla. Ils ont composé la même épreuve, s'il vous plaît, que les personnes que vous avez, les 12 finalistes que vous avez ici, s'il vous plaît. Même épreuve que les 592 participants. Voilà qui est dit. Merci de les applaudir très très fort. Chancel Awandjinou, 13 ans, CM2. Roufaï Adenika, 14 ans, CM2. Merci de les ovationner encore une fois. Et puis pour remettre les deux prix, je vais inviter ici un collègue, Benoît Rwandia. Merci de venir, s'il vous plaît. Journaliste à l'ERTB, membre du comité d'organisation du concours Mimoun. Ça, c'est le prix de la deuxième, avec les félicitations de Benoît, qui ne connaît pas encore le langage des signes, donc l'accompagnatrice va traduire ces mots sur moi. Voilà, fille, c'est un bijou de création. Voilà. Elle nous dit merci. Restez avec nous, Benoît, pour remettre le prix spécial du garçon. Merci. Aidez-nous à remettre le prix spécial du garçon, Benoît Rwandia. Voilà. Et ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Il dit également merci dans le langage des signes. Vous êtes sur la grande finale du concours Mimoun, la 62e édition. Voici le Super Odivi en attendant le retour de notre jury. Merci. Hey, yeah.
Nyeko weko ewarande Donne te bare Mini wanu we kambe everybody Anose mise kokelena Namia lotwe mini zontrelele Anose mise kokelena Namia lotwe mini zontrelele Oh yeah You fine, you fine, you fine I'm ready to give you my love, oh You fine, you fine, you fine I'm ready to die for you You fine, you fine, you fine I'm ready to gun with my love, oh You fine, you fine, you fine I'm ready to die On se mise au kele na Na mia lo tue Mini son trelele Annonce misère au Kélena Dimanoué ou à ministre Lélé. Le couard non, 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 Pour toi je me suis rangé, pour toi je me suis rangé, j'ai mis zéro qu'elle est là. Non bien l'autre, mini centre lélé. Ah non, j'ai mis zéro qu'elle est là. Non bien l'autre, bon mini centre lélé. Yeah. You fire, you fire, you fire. I'm ready to die with my love. Oh. You fight, you fight, you fight. I'm dying, dying for you. You fight, you fight, you fight. I'm giving you to my love. You fight, you fight, you fight. I'm ready. I don't say this for killing up. When you want to wait, why me is on trailer? I don't say this for killing up. When you want to wait, why me is on trailer? On applaudit encore nos 12 finalistes, s'il vous plaît. Les 12 finalistes du concours Mimoun, édition 2018, mesdames, messieurs. Nos membres du jury, entre-temps, Hermine, sont revenus dans la salle. C'est cela, ils sont revenus. Et enfin, nous allons savoir Gilo Dilon Yakubo qui va partir avec le cadeau symbole. Du concours Mimoun depuis 62 ans. Le vélo tout-terrain. Le vélo tout-terrain qui est là, juste à côté. Voilà. Monsieur le président du jury, nous voulons savoir, parce que ça va se savoir. Ici et maintenant, sous vos applaudissements, le président du jury, le directeur de la radiodiffusion nationale, monsieur Oguchina Kundi. Merci. Ben, monsieur le président du jury, ça a été comment ? Ça s'est très bien passé, parce qu'en réalité, le dispositif qui a été mis en place est très fiable. Et il suffisait de rentrer les données et d'avoir les résultats et les rangs des différents candidats. Donc, ça ne nous a pas pris du temps. Ben, monsieur le président du jury, je vous laisse mon micro et puis je vous laisse gérer la suite. Gardez-moi Ils sont micro, 12, 11 garçons, une fille à la quête de ce célèbre VTT, mesdames, messieurs, fidèles amis, téléspectateurs et auditeurs de l'ORTB, nous allons connaître qui partira avec ce VTT, avec le président du jury. Monsieur Kounde Oguchina, la moisson était bonne? Oui, la moisson est bonne, les enfants ont bien travaillé en général. Et le 12e, parce qu'il fait nuit, on va vous libérer. Le 12e, c'est Kofi Teddy Meldino Kicho Hadji. Sous vos applaudissements. Kofi Teddy Meldino Kicho Hadji, merci. Il est là, il est le 12e. Merci de l'applaudir très très fort. Merci de te mettre ici, là où daté. Et on va, on va, on va,
On va continuer ? On va continuer. D'accord. On va continuer tout de suite le 11e. C'est Marion Linel Childric Cédolo. Le 10e. C'est Dami Messi Damassé. Le 9e, Junior Sylvanus Dossa. Voilà. Le 8e à présent, c'est Mister Djidjoro Loco. 7e maintenant. Le 7e, c'est Godwill Adonis Yeho. Godwin Adonis Yeho. Yeho, 7e. On respire un coup ? On va libérer le public. D'accord, on va libérer le public. On y va. Sixième. Alors, sixième maintenant. Kousemou, Benafa Spencer Cedro. Daryl, Kousemou, Benafa Spencer. Le cinquième à présent. Doudeji Israël Gilles Chris à Tontou. Le quatrième, Wende Barika Mardoché Prosper Yokossi. Merci. Et on a combien Monsieur le Président, de... Il nous reste que trois. Il nous reste que trois. Vous pouvez venir devant là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Torami, Diano et Prudencio, sous vos applaudissements. Parmi les trois, nous avons notre candidat, le premier ou la première, qui sait? Hein? On a le premier ou la première parmi les trois candidats que nous avons devant nous. Alors, une bataille féroce s'engage entre Porte-Nouveau-Cotonou et Calavi. OK. Trois départements différents. Troisième. Tohami. Senandé Adoko. On l'applaudit. Merci de l'applaudir. Elle était dixième. Elle est troisième aujourd'hui, merci de l'encourager. À la pré-finale, la troisième, merci de l'ovationner très très fort. Très très fort, voilà. Maintenant, je suis très ému. Ça se passe maintenant entre Cotonou et Porte-Nouveau. Ouais. Qui va être le premier selon vous? Entre Adjadjé et Cotonou. Qui va être le premier? Porte-Nouveau ou Cotonou? Porte-Nouveau ou Cotonou? Porte-Nouveau ou Cotonou? Porte-Nouveau? Porte-Nouveau? Cotonou, Cotonou, Porte-Nouveau. Bon, enfin, on saura. Bien. Il me jette un regard foudroyant. Mais les jeux sont faits. On va donner. Et le vélo. Va. Va rester. Ira. Va rester. Va rester. Ira. Va rester. Va rester à Cotonou. Le vélo reste à Cotonou. Le premier, c'est Diano Bentaye Zissou Kenjinou. Diano Bentaye Zissou Kenjinou. Diano. Le grand gagnant, mesdames, messieurs, du VTT de la 62e édition du concours Mimoun. Merci de l'ovationner très, très fort. Le deuxième. Alors, j'ai pas dit le deuxième. Il faut que je vous dise qui est le deuxième. Le deuxième, c'est Maouyon Bernardin Prudencio Demenou. Merci de l'applaudir. Viens, Prudencio. Merci. Tu vas rester là. Merci. Et voilà le classement. On félicite encore les enfants, s'il vous plaît. Et à travers eux, ce sont les 40 pré-finalistes que nous félicitons. Les 592 candidats que nous avions au départ, Gilo Dilon Yakoubou. À travers eux, c'est tout le comité d'organisation que nous félicitons. Merci, merci beaucoup. Président du jury, les membres du jury. Avec le générique, nous allons procéder à la remise des cadeaux. Nous allons procéder à la remise des cadeaux. Je vais inviter ici pour remettre le prix. Madame Lamatou Hongpe, elle est dans la salle. Merci de venir, s'il vous plaît. Madame Lamatou Hongpe. Madame Lamatou Hongpe dans la salle. Venez, venez nous aider à remettre le pour prix. Pour remettre le 12e. 12e. Prix. Merci d'apprêter le prix du 12e. Sous vos s'il vous applaudissements. Plaît. Le 11e prendra son prix des mains de monsieur Bienvenu Kempo, chef des programmes de la radiodiffusion nationale.
Merci de venir. Monsieur Bienvenu Campo, venez remettre le prix du 11e. Avec les félicitations, merci de lui remettre le prix du 12e. On applaudit notre 11e finaliste qui part aussi avec son cadeau. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. On va inviter le représentant du directeur du FITEB, le SECOM, M. Zéphirin Ditrino, venez nous aider à donner le prix du 10e. Entre-temps, M. Marius Kenji, directeur des relations publiques de l'ERTB, viendra nous aider à donner le prix du 9e. Merci beaucoup, M. Ditrino. À votre suite, c'est M. Kenji Marius, directeur des relations publiques de l'ERTB, qui va donner le prix du 9e. Le 8e prendra son prix demain de Mouf Liadi. Le 7e prendra son trophée, ou du moins son prix demain de Madame Cousine Angèle. Le 7e prix, Madame Cousine Angèle. Marie-Thérèse Gonzalves, cousine Angèle, la grande amie des enfants. Merci beaucoup. On va inviter le président du jury, directeur de la radiodiffusion nationale, Augustin Akonde, venez donner le prix du 6e. À votre suite, la directrice adjointe de cabinet. La directrice adjointe de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la communication qui va nous aider à donner le prix du 5e. Merci à la directrice adjointe du cabinet du ministère de l'enseignement, enfin de l'économie numérique et de la communication, notre ministère de tutelle. Le 4e prix, on va inviter le père Epiphane Aroncet avec nous du clergé catholique. Je voudrais que vous puissiez l'ovationner très fort. Ils nous ont beaucoup aidés. Dans la réalisation des présélections. Ah oui. Dans tous les départements du Bénin. L'enseignement catholique du Bénin. Merci mon père. On va demander au secrétaire général de l'ERTB, Monsieur Eric J.P. Abraham. Il aura l'insigne honneur de remettre le 3e prix à la seule dame. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci, SG. On va appeler M. Zachary Houtondi de l'imprimerie Minute Dimension. Qui a soutenu le concours Mimoun cette année. Bien sûr. Que nous espérons sera encore avec nous l'année prochaine. Merci à vous pour le cadeau du 2e. Et enfin, nous inviterons le directeur général de l'ORTB, Joël accompagné de Mme Vicencia Glenet de Bossou, de la Fondation Claudine Talon. Merci de les ovationner, s'il vous plaît. On les applaudit. Pépé et Mémé, Pépé ORTB et Mémé Claudine Talon pour remettre le premier prix d'abord. Allons-y, le vélo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Enfin. Voilà. Et tout à l'heure, vous allez voir, il va grimper, il va continuer son chemin avec. Il faut qu'il essaye. Et ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Le grand gagnant du VTT pour cette 62e édition du concours Mimoun. Il peut pédaler déjà un peu. Voilà. Ah oui. Félicitations à tous les enfants. Je félicite les 12. C'est pas facile. Ils étaient 692 au départ.
mais ils sont sortis lauréats. Ovationnez-les encore une fois. Et je félicite particulièrement Diano, qui est sorti le premier. Le vélo est plus grand que lui. Mais il finira par l'utiliser. Ou bien Diano, félicitations. Merci, Madame la représentante de la Fondation Claudine Talon. Vous voudrez bien transmettre à son Excellence, Madame la Première Dame, toute notre profonde gratitude pour tout ce qu'elle fait pour les enfants du Bénin en général et tout ce qu'elle fait particulièrement dans le cadre du concours Mimoun depuis quelques années. Merci également à l'imprimerie Minute. Merci à FIFA. Merci à vous tous qui avez honoré de votre présence cette soirée. Rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Joël Hundolo, directeur général de l'ORTB. Merci. Monsieur Joël Hundolo, qui, accompagné de Madame Vicentia Glélène de Bossou, félicite nos 12 finalistes. Merci de venir. Merci, DG. Merci à la représentante de la Fondation Claudine Talon. Merci. Ben voilà, Gilles Odilon Yacoubou, c'est déjà l'au revoir. Bien et sûr. C'est ainsi, n'est-ce pas, que nous mettons un terme à la finale de la 62e édition du concours Mimoun. On dit merci à tous nos partenaires. Merci bien sûr à la Fondation Claudine Talon, merci à l'imprimerie Minute Dimension, merci à FIFA de Sainte-Luce, merci à TCBECO, merci à FITEB, le Festival International du Théâtre du Bénin. On va dire un CC, merci au ministère de l'économie numérique et de la communication, merci au ministère de la culture, du tourisme et des sports, à tout ce charmant public, merci. À tous merci. Les parents des 592 enfants. Merci, merci à tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup, joyeux bye Noël. Bye. Au revoir. On va demander aux pré-finalistes de venir.